Notre Michel Therrien national. Ah oui. Un bon scorpion. Tout un scorpion, madame, là, parce que il a 1, 2, 3, 4 planètes en scorpion. C'est énorme. Parce qu'à partir de 3, c'est un amas planétaire. Donc, à partir de 4, il y en a encore plus. C'est ça ici, là? Oui, c'est tout le jaune ici. Par contre, il y a Mars en Sagittaire. Fondamentalement, c'est vraiment pas qui il est dans le fin fond. Parce que les scorpions, là, c'est des gens qui laissent pas entrer tout le monde dans leur intimité. C'est un signe qui fonctionne à l'instinct, au ressenti. C'est un signe d'eau qui est très, très, très émotif, mais qui veut contrôler ça, cette émotivité-là, beaucoup. Donc, très instinct, très stratégique aussi. Le scorpion, c'est le signe le plus stratégique du zodiaque. Il est toujours un petit point en avant de tout le monde, sans trop que le monde s'en rende compte. Et il y a une autre chose qui est importante, c'est qu'il a la Lune. La Lune va nous dire comment il réagit. C'est quoi, comment il gère ses émotions. Là, où la Lune? Il y a une petite Lune en Gémeaux, lui. Fait que ça vient alléger la patente. C'est plus doux. Oui, puis c'est surtout mental, le Gémeaux, c'est un signe d'air. Donc, lui, il est quick en bébite dans sa tête. Là, quand c'est le temps de penser, là, ça flatte. Qu'est-ce que ça donne, notre tas de scorpions, avec notre Lune en Gémeaux, là? Ce qu'il a en ce moment, c'est qu'il y a un bon Jupiter, lui aussi. Il est chanceux, hein? Parce que Jupiter est en cancer, OK? Tu vois ici? Puis le cancer, il s'entend bien avec le scorpion. Donc, Jupiter se trouve à envoyer des beaux trigones, des beaux aspects à tout son amant en scorpion. Ça, il est bien soutenu par ça, Jupiter. Et ce qui est important, lui aussi, il faut qu'il t'offre la run jusqu'au 20 mai. Parce que le scorpion, fort chez lui, son patron, son premier patron, c'est Mars. Puis il ne faut pas oublier que Mars, en ce moment, est rétrograde dans le ciel. Donc, lui, il peut sentir que des fois, c'est... Puis, mais ça peut l'aider peut-être à être encore plus focus. Puis à partir du 20 mai, ça va repartir fort pour lui. Puis s'il se rend jusqu'au 20 mai... Oui, c'est là où est-ce que ça va débloquer un peu, que le Mars va devenir actif et pour Terrien et pour le Mars du Canadien, qui est en bélier. Parfait. OK. Bien, merci beaucoup, Mme Lily. Merci.